Excellence, merci infiniment de nous recevoir. Nous allons aborder cet entretien par une question toute simple. Quel bilan faites-vous de ce salon international de l'agriculture et des ressources animales 2017 qui s'achève? Merci. D'abord, vous me donnez l'occasion de remercier tous ceux qui se sont intéressés à ce salon, que ce soit les exposants, les professionnels, les visiteurs grand public, y compris ceux qui de chez eux ont suivi ce rendez-vous important du monde agricole. Je n'oublie pas, bien entendu, l'ensemble de la presse, qu'il s'agisse de la presse audiovisuelle, écrite ou même en ligne. Grâce à l'intérêt que les uns et les autres ont accordé à cet événement, nous avons quand même plus de 1 million, m'a-t-on dit, de personnes qui ont suivi ça sur l'Internet. Et puis nous avons battu le record de visiteurs de 2015. Nous sommes aujourd'hui à près de 300 000 visiteurs. On attend les chiffres définitifs. Bref, on voit bien que le SARA 2015 avait suscité un intérêt, mais le SARA 2017 encore plus. Alors, pour nous, il n'y a pas 36 manières de l'expliquer. La première chose, c'est que c'était une attente. D'abord des Ivoiriens, ensuite des professionnels. Mais en 2017, l'ampleur que cela a pris montre bien que la dynamique insufflée au secteur agricole depuis la prise en main des affaires par le président Alassane Ouattara porte ses fruits. Nous espérons garder le cap, continuer d'enregistrer une croissance agricole de manière à ce qu'en 2019, on puisse avoir un salon qui soit beaucoup plus animé que celui de 2017. Il y a eu des résultats importants. Le projet de mobilisation, par exemple, de plus de 11 900 000 000 de francs CFA, c'est très important. Comment allez-vous prendre pour mobiliser, n'est-ce pas, cet argent qui devrait insuffler un nouveau sang à votre politique agricole? D'abord, tout est relatif. 11 000 milliards en absolu, ça paraît énorme. Mais je rappelle que c'est dans un délai de près de 10 ans. Donc si vous ramenez l'État sur les 10 ans, c'est déjà raisonnable. Ensuite, n'oubliez pas que l'économie de notre pays repose sur ce secteur. Et qu'en réalité, en fonction des objectifs qu'on s'est assignés à travers ce programme, l'évaluation ne pouvait pas être en deçà. Vous savez, il ne faut pas tricher. Nous avons des objectifs que nous visons à travers le programme national d'investissement agricole. Ce sont des objectifs qui sont alignés d'abord sur ceux du PND. N'oubliez pas que le PND a pour orientation de transformer la structure de notre économie. Or, le cœur de l'économie ivoirienne, c'est le secteur agricole. Donc on ne peut pas avoir de transformation de la structure de notre économie si le moteur de cette économie qui est le secteur agricole lui-même ne subit pas cette transformation structurelle. Vous voyez bien que si vous avez le cœur de l'économie qui est le secteur agricole, il est tout à fait indiqué qu'on ait des montants de ce niveau. Ensuite, c'est quand même, nous avons pour ambition d'investir dans les infrastructures agricoles. C'est lourd, mais c'est indispensable. Nous voulons investir dans la maîtrise de l'eau surtout, avec les effets du changement climatique. Ça veut dire qu'il faut faire des retenues d'eau, des barrages, des forages, mais pas seulement, il faut irriguer
de superficie. Mais ce sont des investissements qu'on fait une fois pour toutes. Alors la décomposition des 11 000 milliards se présente comme suit. 4 380 milliards à peu près pour l'État et les partenaires techniques et financiers. L'essentiel de cet investissement de 4 000 milliards va aller vers les infrastructures, vers la recherche, vers la formation, vers la gouvernance du secteur. Tout ceci pour créer le cadre pour que l'investissement privé d'abord soit attiré, ensuite qu'il soit profitable pour les investisseurs eux-mêmes. Sur cette base, ils se sont engagés pour 7 800 milliards. Donc je pense que si les privés sont prêts à investir pour 7 800 milliards, l'État et ses partenaires devraient tout faire pour que ces investissements qui relèvent justement du régalien puissent se réaliser. Nous avons confiance parce que déjà, le PNA 1, c'était 2040 milliards d'intentions d'investissement que nous avons enregistrées. Mais pas sur la même durée. Sur 5 ans. Mais déjà, quand on fait le bilan, on voit bien que l'objectif de mobilisation de ressources a été bien atteint. Au départ, beaucoup nous disaient que ce n'est pas réaliste. Mais si nous prenons même le PNA 2, nous l'avons découpé en deux phases. Sur les 3 prochaines années, jusqu'en 2020, nous avons besoin de 2400 milliards. Sur les 2400 milliards, il y a déjà 1000 milliards de privés, 1000 milliards de PTF, et pour les 400 milliards, il y a déjà 265 milliards que l'État a déjà engagés. Il ne reste que 235 milliards. Convenez avec moi que ce n'est pas ce qui est compliqué à faire d'ici 2020. Alors, en 2020, nous ferons le point. Sur la base du rythme de mobilisation et des ressources, nous verrons si nous devons revoir nos ambitions à la baisse en termes d'objectifs, parce que ce sont les objectifs qui induisent les besoins de financement. N'oubliez pas que nous devons réduire la pauvreté de moitié par rapport à son niveau de 90. Donc nous devons créer de nombreux emplois, ainsi de suite. Ce sont des objectifs qui sont essentiels et qui nécessitent des investissements. Parlons de ces investissements-là, quelle est la part qui reviendrait à la formation dans le domaine agricole? Vous avez raison, c'est un programme national d'investissement qui a trois principaux objectifs, mais aussi une stratégie de mise en œuvre. Après viendra le plan d'investissement détaillé. Et c'est dans le plan d'investissement détaillé qu'on aura une précision sur ce qui est mis dans chacun des programmes, parce qu'il y en a 6 programmes, il y en a pour 6. Et aujourd'hui, je n'ai pas le montant précis par programme. Mais vous avez raison, comme je l'ai dit, la recherche et la formation sont des composantes essentielles de ce programme. Parmi les résultats, il y a eu la publication des résultats du recensement des exploitations et des exploitants. Quel est le but de la mise en œuvre ou de la réalisation de cette base de données? Bon, vous savez, prendre des décisions, il faut des informations. Et les statistiques ont toujours constitué un outil appréciable pour la gouvernance dans tous les secteurs. D'ailleurs, c'est un recensement qui est demandé par les Nations Unies tous les 10 ans dans les pays. Et le dernier qui a été fait en Côte d'Ivoire, c'était en 2001. Depuis, on n'a pas fait de recensement. Nous avons relancé ce processus d'abord pour répondre à cette exigence au niveau international, mais aussi pour les besoins intérieurs de statistiques. Et je peux vous dire que le modèle que nous avons adopté et qui a été mis en œuvre va nous permettre de ne plus attendre tous les 10 ans pour avoir des données statistiques actualisées. On pourra les avoir chaque année. Les résultats qui ont été présentés pendant le Sahara, c'est la première étape, disons,
avec les résultats actuels, on a une idée claire, une base pour pouvoir faire de l'échantillonnage qui soit représentatif. Et on va passer à la deuxième phase et après, ils vont passer à la phase modulaire. Pendant ce salon, il y a eu un fort engouement des jeunes. On en parlait un peu tout à l'heure. Oui. C'était, comment je vais dire, l'une de vos priorités, mobiliser les enfants, mobiliser les jeunes autour des questions agricoles. Ça relève d'une politique assez ambitieuse. Oui, mais je crois fort opportune. Vous savez, je l'ai dit à la cérémonie d'ouverture, l'objectif de ce salon est multiple. Bien sûr, les professionnels y trouvent leur compte, c'est fait pour eux. Le grand public aussi, surtout les jeunes. Pour nous, il faut susciter des vocations. Et d'ailleurs, je peux vous dire que tous les jeunes qui sont venus ici, beaucoup, ont dit à leurs parents que ça les intéresse de faire de l'élevage, de faire de l'agriculture. Vous savez, on est en Afrique. Nous, nous sommes nés dans le milieu rural. On a eu l'opportunité, enfant, d'accompagner nos parents au champ. Et je pense que cela nous a transmis un certain nombre de valeurs. L'agriculture, comme je le disais, n'est pas seulement un secteur économique, c'est un secteur social, tout le monde le sait. Mais très peu font attention au caractère culturel de ce secteur. Avec l'agriculture, nous avons, quand on est enfant, on a d'abord la valeur travail qui vous est transmise. Ensuite, les travaux champêtres, notamment pendant les récoltes, parce que le travail est bien réparti dans la société traditionnelle africaine. Les hommes s'occupent de travaux assez durs, pénibles. Les femmes, moins pénibles. Et les enfants, c'est quand vient le moment des récoltes, ce sont les enfants qui vont au champ pour garder les plantations contre les oiseaux, mange-mille, comme on les appelle. Et ce sont des moments où on profite pour vous enseigner la tradition, pour vous transmettre à travers des contes des valeurs de la vie en société. Et pour nous qui sommes du peuple Senoufo, c'est d'ailleurs à cette occasion que les jeunes qui doivent rentrer à l'initiation du Poro avant leur âge pour entrer dans l'initiation du Poro apprennent déjà, on va dire, c'est le préscolaire pour le Poro. Alors, pour moi, arrêtons non seulement sur la valeur travail. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit que leur pays avait basé leur développement sur le pétrole et aujourd'hui, ils veulent baser le développement sur l'agriculture. Ils ont besoin de s'appuyer sur l'expérience de notre pays. Ça va vous étonner peut-être, mais à l'analyse, je leur ai dit, votre plus gros obstacle, c'est de réapprendre à vos peuples, à votre population, à travailler la terre. Parce que ce n'est pas facile quand on a perdu cette habitude. Donc je disais que le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants, c'est quelque chose qui nous rassure sur la relève. Mais c'est clair que les générations actuelles, et il n'y a pas de raison, ne pourront pas travailler dans les conditions de nos grands-parents. Est-ce qu'il y a eu des engagements fermes de certains de vos partenaires pour vous appuyer dans la formation de ces jeunes? Parce que là, vous les intéressez à la chose agricole, en même temps vous créez des besoins de formation. Est-ce que vous avez aujourd'hui des partenaires qui accepteraient de vous accompagner? Mais déjà, le système de formation agricole dans notre pays est vraiment bien fourni. Depuis la formation diplômante jusqu'à la formation qualifiante. Nous avons au niveau de Yamsokro, à l'INPHB, nous avons déjà l'ESA, qui est l'école des ingénieurs agronomes, qui forme des ingénieurs agronomes. Et après, nous avons aussi des écoles comme l'INFPA, qui forment des BT et des BTS, ainsi de suite. Ce que nous voulons à travers le PENIA2, c'est de reformer notre système de formation professionnelle agricole, de manière à ce que nous puissions avoir
un système totalement intégré et un système qui permet aux apprenants d'être dans des conditions réelles de production. Mais il y a aussi le fait que la nouvelle façon d'enseigner l'agriculture devrait intégrer l'évolution technologique. Absolument, c'est ce que je dis. Vous savez, les centres de formation professionnelle intégrés qui sont en cours de mise en place permettent à l'apprenant, qui est l'agriculteur en devenir, ou même l'agriculteur en activité qui doit actualiser ses connaissances, d'adresser les contraintes depuis l'amont jusqu'à l'aval. En amont, il s'agira de voir ce que la recherche a mis au point, ce que l'innovation a mis au point, comment l'exploiter. Et puis en aval, il s'agira de voir quelles sont les techniques d'accès au marché. Parce que très souvent, on regarde l'agriculture et on se limite aux travaux champêtres, alors que l'agriculture est plus intégrée que ça. Revenons au thème de ce SARA, la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Comment on y va? Je ne sais pas si vous avez suivi les débats, mais dès le vendredi, après la cérémonie d'ouverture, l'après-midi, nous avons eu une conférence de très haut niveau. Une conférence qui a vu la participation de plusieurs ministres de l'Agriculture, de la sous-région et au-delà. Une conférence qui a vu la participation aussi de grandes institutions qui nous accompagnent dans le développement, la BAD. Mais la BAD, c'est le président lui-même de la BAD qui était l'orateur principal. Donc, on n'a pas le choix que d'aller de transformer la structure actuelle de notre économie. Vous l'avez dit, d'abord, le climat est devenu capricieux. On ne peut pas continuer de faire comme si on n'est pas impacté par l'effet du changement climatique. Donc il faut adapter nos moyens de production. D'abord, faire en sorte que nous ayons une meilleure maîtrise d'eau. Deuxièmement, faire en sorte que nous soyons mieux informés sur les caprices du temps. Et c'est possible avec les technologies d'anticiper que cette année, la saison pluvieuse ne va plus être de tel mois, mais plutôt de tel autre mois à tel autre mois. Ça permet aux producteurs d'adapter les semis et ainsi de suite. Vous voyez, la transformation de la structure de notre économie agricole viendra aussi de ce que nous devons valoriser nos productions sur place pour qu'il y ait une meilleure valeur ajoutée et que ce qu'on tire de cette valeur ajoutée bénéficie aux producteurs. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des jeunes, de leur formation, tout ça est bien. Mais si l'agriculture reste une agriculture de subsistance, on ne pourra pas attirer les jeunes générations. Il faut que ce soit une agriculture qui soit rentable. Mais pour qu'elle soit rentable, l'agriculteur ne peut pas vendre que des produits bruts qui n'ont pas de valeur ajoutée importante. Et souvent, il suffit de peu pour que la valeur soit multipliée par deux. Donc nous visons dans la transformation de notre structure d'économie agricole, de faire des agriculteurs, des gens qui sont au point de l'information, au niveau de l'amont avec la recherche, au niveau de l'aval avec la transformation et l'accès au marché. Ces nouveaux défis de l'économie agricole imposent également, voient naître plutôt des théories. Vous êtes partisan de ce qu'on appelle aujourd'hui le triple A. Alors, avec votre collègue marocain, vous êtes les porteurs de cette idée-là. Est-ce que c'est en contradiction avec le 4 pour 1000? Non, bien au contraire, c'est complémentaire. Vous savez, à la COP21, tout le monde a reconnu le succès de la COP21. D'abord parce que beaucoup d'États se sont vraiment mobilisés et ont pris des engagements. Donc c'était déjà un succès que tout le monde reconnaisse que l'action de l'homme a un effet sur le climat. Et deuxièmement, se sont engagés de mettre la main à la poche, notamment ceux qui sont les plus gros pollueurs, de manière à aider aux réductions
de gaz à effet de serre sur la planète. Mais en 2021, l'agriculture est passée un peu sous silence. Et quand on en a parlé, c'était plus comme responsable, comme, voilà, et non comme victime. Et ce que le ministre français de l'agriculture de l'époque a fait, c'était de montrer, après d'avoir par à travers l'initiative 4 pour 1000, que l'agriculture peut être la solution en fixant le carbone dans le sol. Et cette initiative, nous l'avons soutenue, je veux dire la plupart des ministres des pays africains. Et on a dit qu'il faut aller au-delà pour ce qui est des pays africains. Et que nous, on est plutôt concernés par des projets d'adaptation aux effets du changement climatique que des projets d'atténuation. Ce sont les pays qui émettent, qui doivent investir dans des projets d'atténuation au niveau des émissions. Mais l'Afrique, qui ne pollue pas du tout, doit plutôt aller vers des programmes d'adaptation. D'où l'idée du triple A, l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Ça reste un énorme challenge, est-ce que… Mais je pense que c'est une opportunité. Vous savez… D'abord, globalement, quand on fait les statistiques au niveau des Nations Unies de la planète, tout le monde se dit les rares ressources naturelles non encore exploitées qui peuvent servir à la satisfaction des besoins alimentaires de l'humanité, qu'on estime à 9 milliards de personnes en 2050, proviendront de l'Afrique, plus de 60%. Bien. Donc ça veut dire que déjà, l'Afrique est incontournable à ce niveau. La deuxième chose, si l'Afrique est impactée, son agriculture est impactée par l'effet du changement climatique, alors que l'Afrique n'émet pas, ben je crois que c'est bon que l'Afrique puisse être compensée de ce point de vue. Et c'est pour ça que nous pensons que les ressources qui sont mobilisées à travers la planète dans le cadre du changement climatique sont une opportunité, parce que si on veut les répartir de façon équitable, l'Afrique devait bénéficier d'une partie conséquente pour moderniser son agriculture, pour l'adapter aux effets du changement climatique, afin de satisfaire les besoins alimentaires, bien sûr, des Africains et pourquoi pas du reste du monde. Excellence, il est aujourd'hui de l'avis de tous que pour mener à bien toutes ces réformes que les dirigeants africains mène d'un pays à un autre, il faut quand même que les budgets suivent et qu'il faut tourner autour des 10% des budgets nationaux. Et là, vous avez eu la dernière fois un large sourire quand le Premier ministre a promis qu'à l'horizon 2025-2029, je crois, que le budget de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, va également tourner autour de cela. Il y a déjà une bonne volonté pour déjà 2010, à partir de 2019. Alors, en quoi c'est si important d'avoir ces moyens-là? Ça peut paraître évident, mais si on les a, il faut qu'ils soient également bien gérés. La question de la gouvernance de ces moyens. Très bien. Mais votre question maintenant a deux volets. Le premier, c'est la nécessité d'investir dans le secteur. Le deuxième, c'est l'efficacité de la dépense agricole. Oui. Très bien. Mais déjà, pour ce qui est de la nécessité d'investir, si nous prenons d'ailleurs un domaine qui est celui de l'agriculture, vous ne récoltez que ce que vous semez. Pour nous, investir, c'est semer. S'il n'y a pas d'investissement, il ne faut pas qu'on soit étonné qu'on n'ait pas de résultats. Si on veut être sûr de ne pas avoir de résultats, continuons de ne pas investir. Vous savez, au lendemain des indépendances, le continent africain était pratiquement au même niveau que le continent asiatique. Les Africains ont arrêté d'investir dans leur agriculture, les Asiatiques ont continué. Où est la différence? Nous, en Côte d'Ivoire,
Au lendemain des indépendances, c'était jusqu'à 24% du budget national qui était consacré. Et dans le pire des cas, 13%. Et vous croyez que le miracle ivoirien des années 70 est si miraculeux que ça? C'est le fruit d'une volonté politique traduite dans les finances publiques avec des investissements conséquents. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé qu'après la chute des cours des matières premières, nos pays sont rentrés dans des programmes d'ajustement structurel où on a demandé aux États de se retirer du secteur. Pire, l'aide au développement s'est réduite pour le secteur. Il a fallu 2008, la crise de 2008 sur la faim pour que la communauté internationale réalise que c'est un secteur incontournable. Et que si on y prend garde, ça peut être source d'instabilité. Je le dis souvent, c'est quand même regrettable. Pendant les discours, tout le monde dit que l'agriculture, c'est important. Mais quand vient le moment de mettre la main à la poche, on est déçu. Pour s'en souvenir que lorsqu'il y a un risque de famine ou de catastrophe. Non. Donnez-moi un pays qui a investi de manière soutenue dans le secteur agricole et qui l'a regretté. Il n'y en a pas. Donc s'il y a un secteur où la dépense publique est efficace, c'est bien le secteur agricole. Maintenant, vous parlez de la gestion de ces ressources. Mais elle n'échappe pas aux règles de gestion de l'ensemble des ressources publiques. Encore que dans le secteur agricole, si vous investissez dans les infrastructures, ça se voit. Si vous investissez dans la formation, ça se voit. Si vous investissez dans la recherche, ça se voit. Donc ça reste un investissement utile. Mais forcément, à tout point de vue. Forcément. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire dès l'arrivée du président Ouattara, qui a donné une priorité au secteur. On a commencé à investir à travers le programme national d'investissement de première génération. Mais pour la première fois, la courbe de la pauvreté s'est inversée dans le milieu rural. Parce que nous avons fait une enquête sur le niveau de vie des ménages en 2015. Et cette enquête a révélé que le taux de pauvreté s'est accru en milieu urbain, mais qu'il a baissé en milieu rural, et que c'est la baisse du taux de pauvreté en milieu rural qui est responsable de la baisse générale du taux de pauvreté sur le pays. Mais ce sont des résultats. Donc, le ministre de l'Agriculture que je suis, je suis un peu surpris des niveaux d'investissement qui sont accordés au secteur. On veut agir toujours dans l'urgence. Moi, je peux vous dire, si les États africains consacrent, mais réellement ne serait-ce que 5% des ressources nationales sur 10 ans de manière consécutive, le résultat se passera de commentaires. D'ailleurs, ça va contribuer à l'amélioration des ressources publiques, puisque ce secteur agricole va entraîner le secondaire et le tertiaire, et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des gens qui vont contribuer au budget national. Donc j'avoue qu'on est souvent surpris. Dieu, fort heureusement, quand vous regardez très bien au niveau de l'ensemble des pays africains, beaucoup ont compris qu'il faut... On n'a pas le choix. Elle a dit que le continent, il ne faut pas croire qu'on va se développer autrement que par le secteur agricole. Moi, je ne vois pas. Il y a les grands axes de la réforme que vous menez depuis plusieurs années. Il y a la question du foncier. Oui. Le foncier... rural. Le foncier rural, c'est une question centrale. Tout à fait. Aujourd'hui. Elle est même politique aussi. Oui. Vous annonciez en conférence de presse récemment, donc hier, que, enfin, il y a un financement de 62 milliards de francs CFA pour accompagner la mise en œuvre de cette réforme sur le foncier. C'est extrêmement important. Ouais. C'est pour la première fois. Oui, pour la première fois. D'abord, les besoins d'investissement pour la mise en œuvre de la loi se chiffrent à plus de 300 milliards de francs CFA. Donc ce n'est qu'un début. Là, bien sûr, mais c'est déjà un bon début. En 1998, quand la loi a été approuvée,
De 1998 jusqu'au moment où je vous parle, elle n'avait bénéficié de pratiquement d'aucun financement. D'ailleurs, dans la loi de finances, chaque année, on avait 1 milliard inscrit, mais inscrit pour dédommager des propriétaires fonciers qui auraient subi des dommages. Donc c'est une ligne qu'on n'a jamais pu utiliser. Alors, 10 ans après, le vote de la loi, on vient me dire, la loi n'a pas été mise en œuvre. Mais bien sûr qu'elle n'a pas été mise en œuvre, puisqu'on n'y a pas mis les moyens. On m'a demandé, c'est la loi qui n'est pas bonne. J'ai dit, ah non, avant de s'en prendre à la loi, faisons le point. Dieu merci, nous avons été entendus par les partenaires et aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires pour ne pas faire de publicité, mais je voudrais quand même citer la Banque mondiale, l'AFD et l'Union européenne qui ont accepté d'accompagner ce processus. Comme vous le dites, le foncier n'est pas seulement une matière économique, c'est aussi une matière de paix, de stabilité politique. Parce qu'on voit bien que les conflits liés à la terre peuvent apporter de l'instabilité dans le pays. Et la Côte d'Ivoire ne fait pas l'exception. Nous, on a connu des conflits liés à l'accès à la terre ou aux disputes autour de la propriété de la terre. Moi, je pense que c'est pour ça que nous avons fait aussi la réforme au niveau institutionnel. Désormais, vous avez une agence qui est dédiée à la mise en œuvre de la loi. Avant, c'était un service logé au niveau du ministère de l'Agriculture, une direction centrale. Mais quand vous regardez le volume du travail à faire, c'est l'armature institutionnelle est en déphasage avec ce qu'il fallait faire. Et nous avons, avec l'AFOR, vous aurez une structure dédiée, avec du personnel technique qualifié, dédié, avec des ressources conséquentes. J'ai bon espoir que la mise en œuvre va s'accélérer. Oui. Il y a également que l'autre challenge, l'autre défi que vous essayez de relever, c'est la transformation des produits agricoles. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'État en a les moyens? J'ai entendu dire qu'à l'horizon 2020-2025, l'État devrait pouvoir atteindre 50% de transformation d'un certain nombre de produits phares déjà. C'est si handicapant cette non-transformation des produits agricoles pour l'économie ivoirienne? Pas seulement, pour toutes les économies africaines. Même ceux qui exploitent de l'or, du diamant. Je sais qu'il y a un pays africain dont le nom ne me revient pas tout de suite, qui a mis une politique en place qui vise à transformer son diamant sur place. On a vu les résultats. Je crois que tout le monde vous le dira, c'est toujours avantageux de maintenir la valeur ajoutée sur place. Maintenant, pour la transformation, c'est en partage avec le ministre en charge de l'industrie. Mais ce que je voulais dire, le PNIA 2, l'approche stratégique du PNIA 2, c'est l'approche de zones agroéconomiques. Dans ces zones agroéconomiques, les investissements sont faits de telle sorte que le privé puisse venir s'installer et avoir à proximité la matière première de qualité et de manière soutenue, sans discontinuité, transformée et accéder au marché. Pour nous, c'est pour cela que l'évaluation du programme est à ce niveau. Tous ces investissements, on les fait pour encourager la transformation locale de nos produits. Vous avez raison, il y a des objectifs qui ont été fixés par le gouvernement. Sur l'Anacard, par exemple, on souhaite arriver à la moitié de la transformation, enfin à 50% d'ici 2020. Sur le cacao, il y a un objectif aussi de cette nature. Mais sur les deux produits, nous avons maintenant des financements octroyés à travers un mécanisme parallèle à IDA au niveau de la Banque mondiale, qu'on appelle le Bird Enclave, qui nous permettra d'accélérer le processus de transformation locale de nos deux produits phares. Au niveau de la commercialisation, par exemple, oui. L'idée, c'est d'améliorer la commercialisation des produits agricoles, oui. Déjà en interne. Et donc, vous parliez également de la mise en place de ces agropôles. Oui. J'aimerais bien savoir de quoi cela retourne, en fait. Ben, c'est comme je l'ai dit, en fait,
Pour nous, la transformation de la structure de l'économie agricole, c'est cela en fait. C'est une intégration verticale. Et une intégration aussi horizontale pour tenir compte de la préservation de l'environnement, de la durabilité, la préservation des forêts et de la biodiversité, et ainsi de suite. Mais aussi au niveau social, avec des infrastructures économiques de base qui permettront aux producteurs d'accéder aux soins de santé, à l'éducation, et à Internet. Et c'est comme ça aussi que nous allons attirer les jeunes générations dans le milieu rural pour pouvoir exercer dans le secteur agricole. Nulle part dans le monde, j'ai vu que l'agriculture a réussi si on n'a pas pris en compte cette dimension d'intégration verticale, à savoir de la fourche à la fourchette. C'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire au lendemain des indépendances, c'est ce qui a justifié le succès que nous avons connu. Mais vous savez, après le retrait de l'État, notre gouvernance agricole était un peu désorganisée. C'est pour ça que nous avons, dans le cadre du premier programme national d'investissement agricole, on avait un beau bon volet sur la gouvernance du secteur. Les réformes qui ont suivi visent à faire apparaître cette dimension d'intégration verticale et même horizontale dans le secteur agricole. – Et parlant de cette commercialisation, je voulais insister sur votre idée de boutique paysanne. – Oui, oui. Vous avez vu ici, pendant le Sahara. Alors, vous avez vu, moi j'étais heureux parce que tout, vous savez, j'ai demandé, j'ai invité aussi les institutions à venir au Sahara. Et quand ils finissent leur visite et que je les reçois, ils tous me parlent de ce qu'ils ont été impressionnés de savoir, ce dont nos braves femmes sont capables. Non seulement elles produisent, mais elles peuvent conditionner et avoir des produits qui n'ont rien à envier aux produits importés, notamment pour les femmes qui aiment les produits de beauté avec de beurre de karité. Moi, j'avoue que moi-même, j'étais impressionné. Elles m'ont même proposé une notion pour le rasage. Mais vous voyez, ce qui nous reste à faire maintenant, j'ai demandé que toutes ces coopératives, en relation avec la Chambre nationale d'agriculture, d'abord, qu'on puisse, tous les contacts qu'elles ont pu avoir ici, qu'on les aide dans le suivi de ces contacts pour que cela aboutisse à des partenariats. La deuxième chose, j'ai demandé qu'elles nous disent quelles sont leurs contraintes pour passer maintenant à l'échelle. Et le Premier ministre, le vice-président, tous ceux qui se sont succédés ici sont prêts à nous soutenir pour que l'État puisse faire quelque chose pour permettre à ces braves dames d'avoir une commercialisation à l'échelle et de conquérir des marchés au niveau international. Mais ce qui pourrait les aider également, c'est une meilleure structuration de l'interprofessionnalisation. Nous avons 31 filières en Côte d'Ivoire. Et chacune des filières, nous avons pris une loi en 2011 pour mettre en place ce qu'on appelle les interprofessions. Vous savez, c'est une réforme essentielle pour le secteur. Le but que l'État vise ici, c'est d'amener les acteurs eux-mêmes à jouer le rôle qui est le leur. Comme ça, l'État peut se replier sur son rôle régalien. Nous voulons que les filières soient gérées par les professionnels. Donc, on leur a demandé de s'organiser par filière, en collège. Le collège des producteurs, le collège des transformateurs, le collège des commerçants. Et comme ça, les trois collèges réunis forment ce que nous appelons une interprofession. Sur cette base, ça va être facile pour l'État de les accompagner. Sur les 31 filières, il y en a beaucoup qui sont déjà arrivés à l'interprofession parce qu'il ne suffit pas aussi qu'on ait un collège, il faut qu'il soit représentatif. Et je crois que c'est à ce niveau que souvent certaines filières traînent. Parce que pour que l'État reconnaisse l'interprofession, il faut que cette interprofession représente plus de la moitié de la production de la filière et plus de la moitié des producteurs. Il faut réunir concomitamment les deux critères. Certaines filières y sont parvenues aisément, d'autres moins. Le but pour nous, c'est qu'une fois qu'on aura ces interprofessions par filière, c'est elles qui iront à la Chambre nationale d'agriculture. Et comme ça, nous aurons une chambre consulaire qui soit suffisamment professionnalisée, j'insiste sur le terme, et qui soit suffisamment
représentatif. J'ai découvert sur ce Sahara que la noix de kola, dans la Côte d'Ivoire, est le premier pays producteur au monde. Cette filière n'est pas si organisée que cela. Et certains producteurs se plaignaient du fait même que les prix de la cola ivoirienne sont fixés par en fait, les acheteurs de la région. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il faudrait certainement en faire quelque chose pour ces gens. Bon, déjà, c'est vrai, au départ, cette filière n'était pas aussi organisée, mais ça a évolué depuis. Si vous avez regardé très bien, ça a évolué depuis. Et si ça a évolué, c'est bien parce que on l'a souhaité. Nous avons confié au Fonds international, au Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole d'appuyer toutes les filières qui ont besoin d'un appui pour être structurées et organisées. C'est le cas de la filière cola. Mais vous savez, s'agissant du prix, c'est pour cela qu'il faut… au départ, la cola n'était pas si consommée en Côte d'Ivoire aussi. Ce sont les pays de l'Interland qui l'utilisaient beaucoup. Donc le marché, on va dire, est là-bas. Et c'est comme le chocolat. Nous n'avons pas la maîtrise des prix du chocolat. Pourquoi? Parce que ce sont les pays qui ont le marché, qui maîtrisent le prix. Mais aujourd'hui, la cola a plusieurs utilisations. Et pour ça, si vous avez vu leur stand, bientôt, ils vont aller à l'interprofession. Allant à l'interprofession, ils vont avoir une meilleure maîtrise. Et de toute façon, il est de l'intérêt de l'État de les organiser ainsi, parce que les filières traditionnelles, que sont le cacao et l'anacard, ne peuvent pas être les seules qui contribuent à l'effort national. La cola peut y contribuer. Toute dernière préoccupation, je ne peux terminer cet entretien avec vous sans évoquer le cacao ivoirien. Oui. L'idée, vous l'avez mise sur la table récemment, il faut que le Ghana et la Côte d'Ivoire se donnent la main. Oui. Mais ces deux pays sont quand même limités dans leur volonté de changer les choses. Pourquoi ? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, ceux qui font la loi sur le marché, ce sont les acheteurs, les fabricants de chocolat, qui sont des Occidentaux. Oui, d'accord, mais ceux qui ont la matière première, s'ils sont solidaires, vous allez voir que leur poids ne sera pas négligeable. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour la donne. Côte d'Ivoire et le Ghana, à eux deux, maîtrisent 60% de la production mondiale, de l'offre mondiale de cacao. Jusqu'ici, nous sommes des pays voisins, mais chacun a fait son chemin. À la limite, à un moment donné, on se comportait comme si on était concurrents. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. On a compris de part et d'autre que nos destins sont liés et que nous avons intérêt à travailler. Et aujourd'hui, il y a une opportunité historique pour ces deux pays, c'est que les deux chefs d'État sont des amis de longue date. Et le président Ouattara a été reçu au Ghana récemment, moi j'ai été de la délégation. Nous avons maintenant un accord de partenariat stratégique avec le Ghana. Dans cet accord de partenariat stratégique, le volet agricole occupe une bonne place, notamment la filière cacao. Récemment, vous avez vu, le ministre du Ghana était ici, au Sahara. Nous avons tenu une réunion, d'ailleurs à laquelle nous avons associé la Banque africaine de développement, parce que justement, la Banque africaine de développement est disposée à mettre des ressources à la disposition de ces deux pays, de manière, premièrement, à mieux organiser la production, deuxièmement, avoir des magasins de stockage et enfin, aller à la transformation locale de nos produits. Je pense que si nous allons jusqu'à la transformation locale de nos produits et que nous faisons la promotion aussi de la consommation, c'est pour cela qu'au Sahara, vous avez vu, les enfants, ils étaient tous alliés derrière les fontaines du chocolat. Nous allons avoir une politique de promotion de la consommation. Moi, j'étais en Éthiopie récemment. C'est un grand pays producteur de café. Mais la consommation du café fait partie de la culture des Éthiopiens. C'est possible. Il suffit simplement que dès l'enfance, qu'on offre du chocolat dans les établissements, un peu partout, ils vont garder l'habitude. C'est vraiment un paradoxe et nous, nous voulons vraiment faire la promotion. Quand nous allons commencer, le continent africain, vous savez, avec notre croissance démographique et surtout avec la croissance économique qu'on a connue, c'est une opportunité. Bientôt, c'est un marché. Je vais vous faire une confidence. Je suis allé voir un groupe français
Je ne vais pas le citer pour ne pas faire de publicité. Et je leur ai dit, il faut que vous allez jusqu'au produit fini en Côte d'Ivoire. Mais un produit fini, parce qu'ils m'avaient invité, ils avaient fait l'honneur d'aller inaugurer leur centre de recherche sur les besoins de consommation des clients finaux. Je leur ai dit, il faut que vous allez jusqu'à un produit fini en Côte d'Ivoire, mais un produit fini qui soit adapté aux besoins de consommation de la clientèle locale et sous-régionale. Ils ont souscrit à l'idée, ils nous ont encouragés, moyennant quelques facilités fiscales. Mais vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de multiplier la chaîne. Ils sont impressionnés eux-mêmes par la demande qui a suivi. Donc si nous avons des initiatives de cette nature, bientôt nous allons consommer aussi une partie de notre cacao. Et puis, il faut qu'on encourage les pays émergents aussi à la consommation. Prenez la Chine. Moi, j'étais en Chine, j'ai fait une mission là-bas, j'ai discuté avec le ministre du Commerce chinois, j'ai discuté avec le ministre de l'Agriculture, je leur ai dit, écoutez, si ça vous intéresse de consommer du chocolat, mais on peut se mettre ensemble, vous pouvez nous aider à aller à la transformation sur place, et puis bon, vous pouvez accéder aussi à la consommation de ce produit. Et ça, je pense que ce sont des initiatives qui vont permettre aux pays producteurs d'avoir une meilleure prise sur le cours du cacao. C'est la fin de cet entretien. Vous recevez beaucoup de reconnaissance de vos pairs. Déjà, vous dirigez, vous présidez le Conseil des ministres de l'agriculture au niveau régional. C'est ça, africain. Africain, pardon. Et récemment, l'agriculture française vous a également reconnu, décoré. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous savez, c'est toujours encourageant de savoir ce qu'on fait est reconnu et que ça veut dire que vous n'êtes pas en train de, entre guillemets, prêcher dans le désert ou que vos actions ne vont pas impacter les populations. Mais ce qui doit le plus toucher, c'est vraiment la reconnaissance des producteurs, surtout des petits producteurs ivoiriens. Hier, j'ai fait le tour des stands de toutes ces coopératives. J'étais très ému de savoir qu'avec des décisions simples, on peut transformer la vie de millions de personnes. Je vous remercie.